Bonjour à tous et bienvenue chez Bonnefis Automobile. On se retrouve aujourd'hui avec ce nouvel arrivage, donc une Alpine A110S, donc avec le fameux bleu Alpine en extérieur, logo, donc son passé en noir. On va retrouver à l'avant un petit compartiment donc de rangement pour mettre par exemple des sacs de voyage. Sur le côté, on y retrouve ses jantes en 18 pouces, donc en gris satin, étrié Alpine peint en orange. Comme je vous disais, les logos sont passés en noir. Donc c'est un véhicule d'origine allemande, première main, qui totalise seulement 7300 km. Première mise en circulation le 9 décembre 2021 et est affiché au prix de 68 900 €. Également à l'arrière, les logos sont passés en noir. Le véhicule donc sort de révision constructeur, donc dernière révision le 16 juin 2023, et le véhicule avait 5354 km. Également, tous les documents et papiers d'origine du véhicule sont disponibles. Donc, comme à l'arrière, un petit compartiment de rangement. Car oui, le moteur est en position centrale arrière, juste en dessous se cache. Donc au niveau du diffuseur, on y retrouve la sortie centrale d'échappement. Juste ici, le petit détail du drapeau de la France. Donc au niveau du moteur, on est sur le 1,8 litre. Donc également, même moteur qu'il y a sur les Mégane 4RS. Nous allons fermer le compartiment avant. Voilà, toujours un plaisir de présenter ce genre de véhicule. Au niveau de l'intérieur, pareil, très belle finition. Donc, le panneau de porte, peinture couleur extérieure. Toujours le petit détail du drapeau de la France. Partie en alcantara juste ici. Cuir, surpiqûre orange, donc pour rappeler le détail des étriers de frein. Son en option focale. Baguette seuil de porte siglée Alpine. Au niveau des sièges, on n'est pas sur les sièges confort, mais sur les fameux baquets Sabelt. Donc vraiment très belle finition. Avec de l'alu juste ici, le logo Alpine, Alcantara, extérieur en cuir. Nous allons nous installer dans le véhicule. Au niveau du volant, donc volant qui assure toutes les Alpines, avec partie cuir mais également en Alcantara, le bouton pour passer en mode sport, le virtual cockpit, les palettes, donc on peut également retrouver sur les Clio 4RS, pack intérieur en carbone, tableau de bord étendu cuir, rappel toujours des surpiqûres en orange. Nous allons démarrer le véhicule juste ici. Dès qu'on passe en mode sport, l'interface va changer. On y retrouve ici toute la partie clim pour enlever juste ici le start and stop. L'affichage en mode sport, donc avec la pression des freins, mais également température d'eau. On va avoir plein de données comme par exemple pression turbo, température de l'admission, le couple. Donc pour les connaisseurs et passionnés Renault Sport, ça va reprendre le RS Monitor, donc qui est présent sur pas mal de véhicules. Donc qui est un affichage pour le circuit avec la pression de la pédale. Comme vous voyez juste ici. On a également au 12h le petit rappel donc en orange. Le véhicule également en option régulateur et limiteur de vitesse. On retrouve encore un empiècement qui fait partie du pack en option carbone. Sur les clés, Alpine ont fait un effort. Donc bien évidemment le double des clés, donc avec un étui en cuir, détail bleu. Très beau, très simple, très élégant. Et nous sommes partis pour l'essai. Également,
tout le pavillon du ciel de toit est en Alcantara, avec juste ici les lumières, comme vous pouvez le voir juste ici, également les pare-soleil, donc très agréable, en finition très sportive. Bouton des vitres au milieu du véhicule. Donc nous sommes situés à Barraqueville, donc en Aveyron près de Rodez, où vous pouvez retrouver tous nos véhicules disponibles à la vente et visibles sur parc. Donc large gamme de véhicules premium, donc SUV, berline, sportive et bien d'autres, que je vous invite à découvrir sur notre site internet, donc bonnefilsautomobile.com. Également, nos annonces sont disponibles sur Le Bon Coin et La Centrale. Et si vous souhaitez suivre notre actualité, je vous invite à rejoindre nos réseaux sociaux, donc Bonnefils Automobile sur Instagram, Facebook, LinkedIn ainsi que TikTok. Donc châssis très rigide, fidèle à la philosophie d'Alpine. Ah oui, cette voiture est réputée pour les cols de montagne. Malheureusement aujourd'hui il pleut, mais une fois les pneus bien chauds, c'est un vrai scalpel sur route. Donc avec l'option de l'échappement sport, on entend très bien la sonorité du 1 litre 8. On est vraiment très bas au niveau de la route. Également un autre emplacement en carbone juste ici. Donc nous en avons fini pour aujourd'hui avec l'essai de cette Alpine A110S. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker ainsi qu'à la partager. Et si vous souhaitez, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochains essais. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt, merci.